sont renversés, le juste, que ferait-il? Ces questions, ça nous joignent que posées dans le psaume 11 et le verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? En d'autres termes, c'est qui attitude juste là doit gagner lorsque fondement société côté la vive là est effondré, lorsque fondement est renversé, lorsque sur le plan économique pi fort monde dans société ça pas capable fonctionner, lorsque c'est crise politique, crise sous crise, lorsque sur le plan familial ou gen des enfants qui ou gen pi fort ti monde qui a pleuvé, c'est des ti monde qui a pleuvé dans des familles monoparentales, lorsque ou gen des pères de famille qui pas qu'à prendre responsabilité yo et gen qui pas vle prendre responsabilité yo, lorsque dans société ou gen en crise de confiance ou gen méfiance partout, personne pas fait personne confiance et chaque monde a cherché un monde pour l'exploiter, lorsque dans société valeur yo redéfini en termes de mariage, en termes de relation entre les sexes, lorsque homosexualité tout non style de vie et gen des lois qui pour supporter bagay ça, lorsque sur le plan social ou pas gagner opportunité du tout pour capable connecter moun ensemble parce que chaque monde fait ti groupement pa yo et ou pas connecté ou avec l'autre dans société a, yo pas viser le bien commun en dans société a, et lorsque ou gen fondement ça yo qui renversé, quelle doit être l'attitude du juste? Le juste, que ferait-il? Dans une société que ce côté c'est chaos qu'a dirigé, dans une société côté chaque monde fait sa ouvle, comme dans l'époque des juges, alors le juste, que ferait-il? Ce qui est intéressant dans la question ça qui posée dans le psaume 11, c'est que David n'a pas de réponse là. Parce que chaque société a une réalité pareille lorsque le fondement est effondré. Une façon nous capable de une réponse à la question ça, c'est garder différentes époques au niveau d'Israël, au niveau de société pour nous voir lorsque tu gagne effondrement ça yo. Qui ça bon Dieu lui-même lui demander juste pour yo gagner comme attitude. Premier exemple que n'a joine et première attitude là, c'est intercéder. Première attitude que bon Dieu demander juste là. Pour les gagner lorsque fondement yo ébranlé, lorsque fondement yo renversé, bon Dieu voulait pour nous intercéder. Et c'est ça nous joindre lorsque n'a pli Ésaïe 59. Dans Ésaïe 59, n'a pli un exemple de une société qui effondrée. Une société qui effondrée, qui bâtit sur le mal, qui bâtit sur la violence. Dans le verset 7, il dit leur pied court au mal. Et ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Le ravage et la ruine sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a point de justice dans leur voie. Ils ne prennent que des sentiers détournés. Et lorsque situation s'arrive comme ça, l'abdi que, au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Nous grondons tous comme des ours, nous gémissons tous comme des colombes. Nous attendons la délivrance et elle n'est pas là. Parce que fondement est renversé. Mais qui ça bon Dieu m'a dit dans la situation ça? C'est ça, nous venons dans le verset 16, Ésaïe 59. Lorsque bon Dieu a regardé, il dit, il voit, il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. C'est comme si bon Dieu ne pas comprendre, ni saisit. Pour que on tout fondement yo renversé dans société ça et que pa gen moun moun kap intercède. Il s'étonne de ce que personne n'intercède et pourtant bon Dieu gen des justes dans société ça. Il est étonné pour qui ça que yo pas intercédé. Intercession ça c'est responsabilité pas chrétien. Lorsque fondement société yo renversé, chrétien pas capable gen une attitude passive. Li pas capable gagner une attitude, même j'ai expression en dit en zoblod, li pas capable gagner attitude ça, li supposé alerter, li supposé c'est youn nan moun qui pour alerter parce que chrétiens sont sentinelles et job sentinelle là c'est rester à veiller
Et c'est ça que bon Dieu m'a dit, nous, nous veillons, nous prions, nous intercédons. Et nous intercédons pour qui est-ce? Nous intercédons d'abord pour ceux qui sont élevés en dignité, pour ceux qui sont aux commandes, pour ceux qui dirigent. Nous avons besoin de prier pour eux, pour les yeux capables ouverts. Deuxièmement, nous avons besoin d'intercéder pour ceux qui souffrent. Parce qu'il y a pile de monde qui est en souffrance lorsque le fondement du pays est renversé, un pile de monde a souffert. Nous avons besoin de prier pour eux. Et nous avons besoin de prier pour les gens qui ne connaissent pas bon Dieu. Donc nous avons besoin d'intercéder. Et ça, c'est l'attitude ça, que bon Dieu m'a dit moi-même, qui c'est des justes lorsque le fondement de la société nous a renversé. J'en lier. Si on monde pas veut croire que fondement société au renversé, on t'a invité au monde fin faire nouvelle et puis essayer monter cabane nous pour soit capable dormir bien. Que on fait nouvelle sur ça qui a passé en Europe. Que on fait nouvelle sur ça qui a passé en Afrique. Que on fait nouvelle sur ça qui a passé en Amérique latine. Que on fait nouvelle sur ça qui a passé dans Caraïbes là. Que on fait nouvelle sur ça qui a passé quel que soit côté en Amérique. Nous avons mon fin fait nouvelle et puis monter cabane pour dormir bien. Et que vous faites nouvelle sur ce qui a passé en Haïti encore pire. Parce que les fondements sont renversés. Et c'est ça que fait bon Dieu m'a dit nous-mêmes pour nous camper dans la brèche, pour nous camper, pour nous intercéder, pour nous remplir fonctionnons en tant que sentinelle dans la société. Deuxième attitude que bon Dieu m'a dit nous pour nous investir. Investir. Non seulement on a prié, mais nous pas monde qui a perdu espoir. On a investi et c'est ça bon Dieu t'a révélé dans Jérémie 32. Dans Jérémie le chapitre 32, lorsque peuple Israël allait en captivité à cause de péché yo, à cause de incrédulité yo, bon Dieu châtié yo. Fondement société en Israël renversé. Tout le monde pensait que pas gain avenir du tout encore pour pays ça. Cependant, bon Dieu relé Jérémie, dans Jérémie chapitre 32, il dit Jérémie, achetez un champ. On bagay qui pas fait sens. Qui est-ce qui peut acheter un champ dans un pays qui dévasté? Qui est-ce qui peut acheter un terrain dans une communauté qui pas campé son rien encore, dans une communauté qui complètement dévaluée? Qui est-ce qui peut le faire ça? Mais cependant, bon Dieu t'est toujours voulu pour que juste lien vive par la foi. Parce que le juste vivra par la foi. Et bon Dieu dit Jérémie, m'bon garantie, on achètera des champs dans ce pays dont vous dites c'est un désert sans homme ni bête. Qui a-t-il étonnant de ma part? Qui ça qui est étonnant de la part de Dieu? Et des fois, lorsqu'on regarde Haïti comme ça, c'est le temps d'investir. Non seulement on a intercédé, mais on a fait tout ça capable. Fait, et moi, j'aime l'expression ça qui dit, fait tout ça capable, avec ça gagné, côté où est. Fait tout ce que vous pouvez, là où vous êtes, avec ce que vous avez. Parce que bon Dieu parle les pièces pour dans la passivité. Que c'est passivité au niveau spirituel, que c'est passivité au niveau physique. Bon Dieu veut pour nous actifs. Et c'est ça que fait Jésus a parlé, il dit, jusqu'à présent, mon Père agit, moi aussi, j'agis. Bon Dieu parle les personnes qui ont gardé en société, qui ont crasé, qui ont effondré, et que juste deux bras croisés, non. On a intercédé, on a investi. Si vous avez un talent, vous avez besoin d'investir talent. Si vous avez l'argent, vous avez besoin d'investir l'argent. Si vous avez santé, vous avez besoin d'investir santé. Vous avez besoin de fonds d'investissement. Il y a un exemple que moi je prends, c'est l'exemple Digicel. Lorsque Digicel fait premier investissement en Haïti, des fois, on dit, est-ce que ça t'est, qui ça t'est dans Maïmoun Zayo? Parce que lorsque vous regardez le pouvoir d'achat, lorsque vous regardez toute variable économique, il montre que un investissement pareil n'est pas rentable dans un pays qui dont fondement les branlé. Mais cependant, qui ça qui passe? C'est Digicel en Haïti qui est rentable dans tout Digicel dans Caraïbes. C'est un acte de foi. Et c'est ça, bon Dieu, m'a dit nous, lorsque le fondement est renversé, pour ne pas baisser les bras. Non seulement on a intercédé, mais on a investi. Troisième bagaille que bon Dieu m'a dit nous pour nous faire, bon Dieu m'a dit nous pour nous espérer. Parce que tout ça n'a pas fait, nous besoin faire par la foi. Et c'est ça, il dit encore dans Habakkuk, lorsque Habakkuk a considéré fondement époque par là qui est renversé,
dans Habakkuk le chapitre 3. Habakkuk a regardé effondrement dans la société pâle. Et Habakkuk a regardé que même figuier ou pas produit encore vigne, ou pas faire encore, ou pas produit. Lorsque la regardé production nationale là tellement baissé, mais il dit je veux espérer en l'Éternel. Parce que Habakkuk croit dans un lendemain meilleur, il croit que bon Dieu c'est le restaurateur, bon Dieu capable de changer circonstances, bon Dieu capable de changer temps yo, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et c'est parce que nous vivons d'espérance, c'est parce que nous avons espoir, ça c'est parce que nous vivons dans la foi que nous sommes capables, pas besoin de peu investir. Et lorsque bon Dieu m'a dit Jérémie pour lui faire investissement ça, tout le monde a regardé Jérémie, il est vraiment étonné parce qu'il n'a pas compris ça Jérémie a fait. Parce que dans un pays qui est dévasté, c'est là où il a investi. C'est comme si nous avons dit demain matin, bon Dieu est là, bon Dieu dit achetez terre dans la cité soleil. Le sopral dit, est-ce que c'est la voix de Dieu qui a parlé avec moi? Est-ce que bon Dieu va comprendre que tu es dans zone ça a perdu valeur? Mais bon Dieu dit, vive par la foi. Bon Dieu dit, comptez sur moi. Même Jean Habakkuk a dit, le figuier ne produira pas, la vie ne donnera pas de son vin, mais moi je veux espérer en lui. Je veux espérer en l'Éternel. Et c'est ça, bon Dieu, il est là pour nous faire espérer pour aujourd'hui et demain. Mais non seulement on a espéré pour aujourd'hui, pour demain, mais aussi on a espéré pour le siècle à venir. Pour qui ça? Parce que la Bible dit non, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, alors nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Non seulement nous avons espoir sous terre, ça, que bon Dieu ne va pas abandonner nous. Parce que la Bible dit, je n'ai point vu le juste abandonné, mais en même temps, espérance nous, de dépasser toute bagaille sous terre. Parce que nous connaissons que un jour, tout va être ça ou bien pour finir. Et le ça nous va avec maintenant. L'autre attitude que nous besoin gagner, c'est une attitude qui a inspiré le monde. Et c'est l'attitude ça que nous jouons bon Dieu t'a demandé oser pour faire oser pour le dégainer lorsque fondement société côté le tap vivre là t'est renversé. Lorsque bon Dieu parlait avec oser dans l'époque oser a vivre dans société pas là. Fondement était complètement renversé. Particulièrement sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, et bon Dieu a décrit toute bagaille ça, lorsque l'a dit que vous avez cultivé le mal, alors moissonnez l'iniquité, mangez le fruit du mensonge, car tu as eu confiance dans ta voix, dans le nombre de tes vaillants hommes. Tes grands effondrements spirituels à l'époque de Osée. Mais cependant, mon Dieu dit Osée, dans Osée, le chapitre 10 et le verset 12, il dit semer selon la justice, moissonner selon la miséricorde. Et verset, point parti dans verset que moi, mais c'est défrichez-vous un champ nouveau. Défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Défrichez-vous un champ nouveau. Personne ne parle mes routines, particulièrement mon Dieu, et routines sur le plan religieux. Bon Dieu voulait que nous dépassions routine religieuse. Et c'est ça qu'il était toujours à dire disciples lorsque il était avec eux. Lorsque l'a dit disciples aussi, votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens. Vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Parce que scribes avec pharisiens, c'est religion que vous avez fait. Et bon Dieu a dit, non, nous-mêmes, nous besoin faire bagaille différemment. Pas selon tradition religieuse, mais selon parole li. Et c'est ça que fait le dit nous, défrichez-vous un chant nouveau. Et même chez la Bible, il dit nous, chantez un cantique nouveau. Même bon Dieu a demandé nous pour nous revisiter pratique spirituelle, non. Pour nous garder, pour nous côté ses routines, côté ses traditions, et pour nous changer, pour nous défricher nous un chant nouveau. Parce que bon Dieu, il n'y a pas mes routines.